Bonsoir et bienvenue à mes supporters de l'Olympique Lyonnais. Bienvenue au Saint-Ouch sur le plateau de Real Night System. Ça va là-haut? Passez un bon début de week-end. On est vendredi, hein. C'est bien de parler du week-end le vendredi. Vous allez me faire le plaisir de composer dès maintenant le 04 84 80 69 deux fois. 04 84 80 69 deux fois. Et vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous désirez au taulier de la cellule de recrutement, Bruno Chéroux. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez, Bruno Chéroux. C'est bien, ça c'est bien. OL Night System, être supporter ne s'explique pas. Merci de démarrer ce vendredi soir avec OL TV, avec OL Play, avec les réseaux sociaux. Le rendez-vous chaque soir à 17h30 de tous les supporters de l'Olympique Lyonnais se passe ici. Et ce soir, nous avons le privilège, et je pense pour la première fois sur la chaîne de l'Olympique Lyonnais, sur les réseaux sociaux, de recevoir Bruno Chéroux. Chéroux, pardon. Bruno, bonsoir et bienvenue à toi. Bonsoir, bonsoir Bart. Bonsoir et j'ai envie de te dire bienvenue également Bruno à l'Olympique Lyonnais puisque tu as la lourde responsabilité aujourd'hui de diriger la cellule de recrutement. Alors ma première question sera toute simple. Est-ce que c'est très excitant, est-ce que c'est très angoissant ou est-ce que c'est les deux? Non, c'est surtout très excitant. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau challenge dans la vie, on est plus excité qu'angoissé, bien entendu qu'il y a une petite appréhension, mais l'excitation est plus grande que l'appréhension. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le mercato, tout ça, machin, parce qu'il y a plein de questions de supporters, et puis moi aussi, j'ai plein de questions à te poser, pour te dire la vérité, on va revenir sur deux, trois petites bricoles en amont, si tu veux bien. Tu as failli signer à l'Olympique Lyonnais en 2002, avant d'aller à Liverpool. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, ou pas passé, finalement? Non, mais effectivement, avec le LOSC en 2001-2002, j'avais fait une saison plutôt pas mal. Et il y a Bernard Lacombe qui m'avait appelé notamment en fin de saison pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. C'était l'année du premier titre de l'Olympique Lyonnais. Et c'est vrai qu'avec Liverpool en concurrence, à ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer que l'Olympique Lyonnais dominerait le championnat de France pendant autant de temps. Peut-être que mon choix aurait été différent. Tout état de cause, c'est vrai que j'avais choisi à ce moment-là Liverpool. Et voilà, c'est peut-être aussi pour ça que venir à l'Olympique Lyonnais et signer à l'Olympique Lyonnais, c'était certainement un passage dans ma vie obligatoire. Et même si je ne l'ai pas fait en tant que joueur, ben je le ferai en tant que dirigeant, entre guillemets. Tu prends ça un peu comme le destin, finalement? Peut-être. Effectivement, c'est vrai que j'ai joué dans pas mal de clubs en France et de travailler pour un club dans lequel je n'ai pas forcément joué, ça peut paraître bizarre et ça peut laisser sceptique pas mal de monde, mais voilà, globalement, je pense que je suis un professionnel et l'Olympique Lyonnais est un très grand club et ça correspond exactement à l'ambition que je peux avoir pour moi-même. Beaucoup ont été surpris justement de cette nomination. Quelques journalistes ont même raconté ici et là qu'au Paris Saint-Germain, on était plutôt satisfait que tu t'en ailles parce que tu avais la réputation d'être un garçon paresseux. Alors pardonne-moi pour cette question qui n'est pas très sympa, mais qu'est-ce que tu aurais à leur répondre? Moi, je n'ai pas forcément à me justifier. Après, sans rentrer dans les détails de ma séparation avec le Paris Saint-Germain, ils étaient loin d'être ravis. Bien au contraire, je pense qu'ils auraient préféré que je reste encore pas mal de temps au Paris Saint-Germain. Maintenant, ils n'avaient pas forcément trouvé le bon positionnement pour que je continue d'évoluer. J'ai été ravi de travailler pour le Paris Saint-Germain. J'ai appris énormément au sein de la section féminine et je me suis longtemps battu contre l'Olympique Lyonnais pour justement essayer de briser cette hégémonie que l'Olympique Lyonnais peut avoir sur le football féminin. Mais maintenant, je suis ravi de pouvoir passer à autre chose et de continuer d'évoluer. Mon ambition a toujours été assez claire. C'était à un moment donné de repasser avec les garçons. C'est là d'où je viens, c'est là où j'ai joué, c'est ce que je maîtrise le mieux d'une certaine manière. Donc voilà, je pense que c'était la ligne toute tracée. Maintenant, au Paris Saint-Germain, j'étais à mi-temps. Je travaillais aussi pour beIN Sport à l'époque en tant que consultant et je peux vous dire que j'étais à 150% plutôt qu'à mi-temps. Voilà, j'avais peu de week-ends, peu de vacances, je n'ai pas vu mes enfants pendant très longtemps. Voilà, je ne sais pas si ça peut répondre à votre question, Bart, mais en tout cas, c'est ma réponse.
Je ne sais pas si ça répond à ma question, mais tu as été très concret dans ta réponse. Est-ce que tu trouves ça un petit peu injuste? Parce que si j'écoute avec attention tes propos, tu m'expliques que tu t'étais investi de manière très concrète, 150%, pour reprendre justement tes arguments. Pourquoi des informations comme celles-ci peuvent sortir? Alors, c'est de la pure méchanceté? Oui, je ne sais pas, je pense qu'en France, on peut avoir tendance à être parfois un peu jaloux ou aigri sans trop savoir ni sans trop connaître les gens. C'est facile de critiquer. Et même dans mon rôle de consultant pour Beansport, je n'ai jamais voulu tomber dans la critique facile. Ça peut être effectivement le plus simple parfois, mais je sais que ce n'est pas forcément évident d'être joueur de foot et que voilà, il faut être assez mesuré dans ses propos. Voilà, après, la critique fait partie du métier. On fait un métier public, on fait un métier tellement excitant et qui intéresse tellement de monde. Le football, c'est peut-être l'activité la plus populaire dans le monde. Donc, il faut l'apprendre avec ses avantages et aussi avec ses inconvénients. Et c'est vrai que quand on veut avoir quelques responsabilités, on s'expose à des critiques. Et il faut savoir les accepter. Comment se sont passés les premiers contacts avec l'Olympique Lyonnais? C'est assez récent, ça traînait depuis quelques semaines. Non, mais en fait, je pense que leur appel était plutôt en conséquence de la décision de Flo Maurice, qui était en charge de la cellule de recrutement, de passer au lieu aussi à un autre projet. À partir du moment où ils ont eu cette information, ils ont voulu assez rapidement pouvoir le remplacer. Et c'est à ce moment-là que les premiers contacts ont été noués. Et après, j'ai suivi un process assez normal qui a été plutôt bien expliqué dans les médias avec plusieurs candidats, des entretiens. Et au final, c'est avec beaucoup de joie que j'ai pu obtenir ce poste. Comment on travaille lorsqu'on est directeur de la cellule de recrutement? Tu travailles étroitement avec Juninho, avec Rudy Garcia. Ça se passe comment? Oui, disons que mon supérieur hiérarchique, c'est Juni. Et c'est avec lui que j'échange plusieurs fois par jour. Alors, c'est vrai que là, la situation, en plus de la pandémie et du Covid, rend les choses un petit peu plus compliquées entre l'arrêt des championnats, l'incertitude liée aux différentes compétitions, le chômage partiel, etc., fait que bon, on a été encore plus que d'habitude au téléphone ces derniers jours, mais voilà, on s'adapte et c'est avec lui que je communique principalement. Après, bien entendu, que là, on va essayer de mettre en place justement avec le début de la reprise de l'entraînement assez rapidement, des réunions avec le coach aussi pour pouvoir avoir une vision d'ensemble assez claire de ce que lui veut faire et de comment on peut faire progresser l'Olympique Lyonnais. Bruno, est-ce que c'est le pire moment pour venir diriger la cellule de recrutement ou est-ce qu'au contraire, c'est une chance? Ce que je veux dire par là, tu l'as dit, le Covid, le chômage partiel, vraisemblablement, on est le 28 aujourd'hui, pas de Coupe d'Europe pour l'Olympique Lyonnais l'année passée. Est-ce que tu prends ça comme finalement quelque chose de plus difficile à gérer ou une chance? Et je pense qu'il n'y a pas de moment idéal véritablement pour arriver. Là, c'est vrai que je suis dans l'urgence assez vite puisqu'il y a un recrutement à opérer pour l'année prochaine. C'est vrai que l'incertitude de savoir si on va être qualifié pour la Coupe d'Europe ou pas peut changer pas mal de profils. Mais bon, globalement, je préfère être dans l'urgence, être tout de suite dans le cœur du moteur. Et après, on aura un petit peu plus de temps, certainement au mois de septembre, quand la période de mercato sera passée pour organiser, pour essayer de planifier. Je pense que ce sera une grosse partie de mon rôle d'être capable de mettre en place quelque chose de cohérent et de faire en sorte que l'Olympique Lyonnais, comme les grands clubs européens, puisse s'appuyer sur une cellule de recrutement forte et performante. Ce que je voulais dire par là, Bruno, c'est que il va falloir attendre peut-être début août pour savoir si on gagne la Coupe et donc être qualifié pour l'Europa League. Il y a encore des recours, certains disent que c'est peine perdue, mais bon, quand il reste une seule chance, il faut toujours y croire. C'est compliqué pour avoir un discours, qui génère de la passion quand on veut recruter un joueur, puisque si le joueur, tu lui dis qu'on joue l'Europa League, la Champions League, ou s'il joue rien, c'est pas la même manière, c'est pas la même façon de le séduire quand même. C'est vrai, mais détrompez-vous sur l'attractivité de l'Olympique Lyonnais. Après, évidemment qu'on ne va pas appeler Cristiano Ronaldo ou Léo Messi, mais avec malgré tout des joueurs qui ont beaucoup d'ambition et qui sont en pleine force de l'âge, l'Olympique Lyonnais continue d'attirer
Et c'est évident que le discours, il est légèrement nuancé par rapport à cette incertitude liée à la Coupe d'Europe ou à la Champions League. Mais globalement, encore une fois, je vous confirme que l'Olympique Lyonnais est un club très attractif. Je suis content que tu dises ça parce que on te sent déjà bien dans le club et bien avec les valeurs du club, bien dans l'institution. Et bah voilà, c'est quelque chose de très positif et je voulais te le dire. Bruno Chéroux, l'invité d'OL Night System spécial 04 84 80 69 deux fois. On est là, amis supporters, le lien existe et tous les jours à 17h30. Avec également notre camarade Sébastien qui vient nous rejoindre. Bonsoir Sébastien et bienvenue à toi. Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien avec cette période de Covid-19. Merci, j'espère que la santé va bien. J'espère que la tienne également, merci infiniment. On écoute ta question. Merci. Dites-moi donc une question pour monsieur Chéroux. Bonsoir déjà et bienvenue dans notre club de l'Olympique Lyonnais. Donc c'était pour savoir si vous alliez, dans la continuité de Florian Maurice, qui a fait un très bon boulot d'ailleurs, à savoir que j'ai pu lire par-ci par-là que vous aviez un bon carnet d'adresses, sachant que Bertrand Traoré a été une très belle surprise. C'est un joueur que j'aime beaucoup avec son profil, et Memphis Depay pareil. Est-ce qu'on peut avoir un semblant de très bons joueurs avec un caractère, parce qu'il nous manquait, il nous manquait des joueurs qui est de la niaque, comment on appelle ça, des leaders. Gueulards, quoi. Des leaders, ouais, plutôt. Ça, c'est Bruno, tu vas l'entendre tout le temps. C'est un peu ce qui revient très régulièrement à l'Olympique Lyonnais via les observateurs ou les supporters du club. On a le sentiment, juste ou non, ça c'est peut-être à toi de nous le dire, que ça manque de tauliers, de guerriers, de mecs qui secouent un peu le cocotier quand ça tourne pas rond, quoi. Est-ce que ça fait partie des trucs importants pour le recrutement ? Oui, très clairement, je pense que le constat, on a tous le même. Et donc ça, c'est déjà une bonne chose, que ce soit les supporters, les dirigeants. Et tout le monde a été assez unanime pour dire que l'année dernière, il manquait à un moment donné de la personnalité, du caractère. Et que l'équipe, globalement, il y avait de très bons joueurs, mais que ça manquait effectivement à un moment donné de force pour pouvoir se dire des vérités peut-être à l'intérieur du groupe, de force aussi pour pouvoir... montrer un peu les dents par rapport à l'adversaire. Et c'est évident que ce sera l'un des axes de travail de la cellule de recrutement pour essayer de donner un petit peu plus de personnalité et de caractère à cette équipe. Encore une fois, la base, la qualité technique et la qualité intrinsèque des joueurs, elle est vraiment très intéressante. Mais il manque effectivement parfois... si on veut faire des comparaisons avec les générations précédentes et notamment celles qui ont été victorieuses, c'était Chris, c'était Kassapa, c'était Mamadou Diarra, c'était des mecs voilà, qui avaient du caractère et quand les choses n'étaient pas forcément dans le sens de l'Olympique Lyonnais, ils étaient capables de résister, de faire le dos rond et de donner la force nécessaire à toute l'équipe, à l'ensemble de l'équipe. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à retrouver effectivement des fortes personnalités qui permettent d'avoir un petit peu plus de caractère sur le terrain. Comment on arrive à intégrer à un joueur qui ne l'a pas la détestation de la défaite ? Parce qu'un joueur qui sort d'une défaite ne peut pas être dans le même état d'esprit qu'un joueur qui sort d'une victoire. Et par moments, ça m'agace, ça, de voir un joueur qui sourit, par exemple, après une défaite, etc. Comment on fait pour faire changer la mentalité ? Parce que là, il ne s'agit pas, tu parlais de qualité technique intrinsèque, etc. Là, on ne remettra jamais en cause la qualité du footballeur, mais c'est son mental qu'il faut travailler. Et ça, c'est un autre boulot. Oui, c'est évident. Après, je pense que c'est souvent l'esprit de groupe et le fait que deux, trois leaders puissent tirer par les oreilles parfois d'autres joueurs fait que l'ensemble devient plus cohérent et que celui qui avait l'habitude de sourire après une défaite ne sourit plus. Je pense que ça, c'est hyper important et il faut réussir à créer cet environnement. Après, il faut tout dans un effectif. Il ne faut pas que des petits, il ne faut pas que des grands, il ne faut pas que des étrangers, d'accord. Il ne faut pas que des Français. Il faut une homogénéité et un équilibre avec des personnalités différentes. Il ne faut pas non plus 11 leaders. Si on a 11 leaders et 11 caractères, c'est la guerre. Ça va finir en bagarre générale à chaque fois. Et ce n'est pas le but. Donc, il en faut 2-3 avec la personnalité et l'expérience nécessaire pour la transmettre aux autres. Et ce n'est pas aussi évident que ça. C'est vrai que parfois, on a tendance à avoir des vrais bons joueurs, mais qui n'arrivent pas à diffuser cette agressivité positive dont on peut avoir besoin. Rentrons dans le vif du sujet. Quels sont les secteurs ? Tu as parlé du mental jusqu'à maintenant, qu'il fallait des leaders, etc. Est-ce que la priorité des priorités, on a vu un papier ce matin dans l'équipe avec Sacco, est-ce que la priorité des priorités, c'est la défense, le milieu devant ? Vous en êtes où ?
Non, je pense que très clairement, la personnalité et le caractère d'une équipe part de derrière. Et c'est vrai qu'en défense centrale, peut-être que la saison dernière, il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup d'incertitudes, et il n'y a pas eu cette force qui a pu se dégager, comme je pouvais prendre les exemples de Chris et de Cassapa il y a quelques années. Et c'est évident que dans ce registre-là, on va essayer d'être assez actif assez rapidement. Donc tu nous dis bien que la formation que nous avons eue ce matin dans l'équipe, là pour le coup on parle de Sacco, mais on parle bien tout de suite et rapidement d'un défenseur central à l'OL, c'est ça? Tout de suite et rapidement, disons que c'est la priorité de notre recrutement, de vouloir recruter un défenseur central. Après, bien entendu, qu'il y a des négociations, d'acheter le meilleur joueur au meilleur prix. Et voilà, sans rentrer dans les détails, ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est évident que c'est la priorité du club pour pouvoir renforcer l'équipe la saison prochaine. Toi qui viens d'arriver à l'Olympique Lyonnais, Bruno, quels sont on a parlé un petit peu des défauts, des choses à changer, des petites bricoles, des ficelles qu'il fallait tirer, sur lesquelles il fallait tirer pour changer les choses. Quels sont, en revanche, ce que tu apprécies à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui? Mais vous savez, ça c'est une question. En fait, j'ai eu l'habitude de voyager un petit peu et de faire d'autres clubs. L'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Et je vous promets que l'Olympique Lyonnais, c'est un top, top club. Alors, en France, c'est assez évident. Mais même au niveau européen, il n'y a pas forcément énormément de clubs qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants, beaucoup plus attractifs que l'Olympique Lyonnais. Et ça, je pense qu'il faut... Quand vous êtes supporter ou quand vous y travaillez depuis 20, 30, 40 ans, vous avez parfois du mal à prendre du recul pour vous en rendre compte. Mais moi, j'arrive de l'extérieur et je peux vous dire que c'est un club exceptionnel. Le stade, c'est peut-être le plus beau de France. Le camp d'entraînement, c'est l'un des derniers qui a été construit. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses très positives sur lesquelles il faut qu'on arrive à s'appuyer. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à croire que c'est mieux ailleurs, etc., etc. Et je peux vous dire que pour trouver mieux ailleurs que l'Olympique Lyonnais, c'est difficile. Est-ce que tu es en train de nous dire que les supporters de l'Olympique Lyonnais ne se rendent pas compte de l'image que l'Olympique Lyonnais renvoie en France et en Europe? Oui, c'est un vrai bon club, très bien structuré. Encore une fois, je pense que les joueurs, bon, ils passent et en fonction des générations, il y a des résultats et parfois il y a des résultats un peu moins bons. Mais globalement, ce qui fait un club, c'est bien entendu ses supporters, mais aussi les structures. Et quand on voit le stade, le camp d'entraînement, ça c'est la base sur laquelle on peut travailler avec beaucoup de sérénité et de solidité. Après, bien entendu, qu'il faut réussir à avoir des générations avec... la formation qui travaille le mieux possible pour trouver ce qu'on a eu ces dernières années à Lyon de super jeunes qui peuvent sortir et puis les encadrer par des tauliers, par des mecs avec beaucoup de caractère et tout ça fera qu'on arrivera à avoir des résultats dans les années qui viennent. Mais oui, je pense que quand on est dans un club depuis longtemps, on a tendance à ne voir plus que les petits côtés négatifs et je peux vous garantir qu'en arrivant de l'extérieur avec beaucoup d'objectivité, l'OL c'est un top club. Bruno, est-ce qu'il va falloir aller chercher dans les championnats traditionnels, j'allais dire, ou est-ce que tu as des idées sur d'autres pays, peut-être un peu plus exotiques, je ne sais pas, pour aller trouver les perles rares? Ça, je pense qu'il y a des territoires prioritaires où il y a forcément plus de bons joueurs qu'ailleurs. Mais je pense que justement, l'organisation d'une cellule de recrutement, c'est d'être capable d'identifier un bon joueur où qu'il soit sur un territoire exotique, comme vous pouvez l'appeler, ou sur un territoire un petit peu plus normal, européen ou sud-américain, par exemple. Je pense que ce sera justement là l'une de mes principales missions, c'est de faire en sorte que l'organisation de la cellule de recrutement puisse être informée de n'importe quel bon joueur partout, que ce soit en France, mais bien entendu aussi à l'étranger. Et l'important, c'est aussi d'avoir l'information le plus rapidement possible pour essayer d'être assez réactif et de doubler nos petits clubs adverses qui vont essayer de nous concurrencer sur certains joueurs. Est-ce que la cellule de recrutement va recruter pour la cellule de recrutement? Oui, certainement. Alors, pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas encore... une idée très précise de qui va arriver, qui va partir, que ce soit chez les joueurs, mais aussi
à l'intérieur du staff de la cellule de recrutement. Mais globalement, on va se staffer, on va se structurer, on va s'organiser. Et je pense que voilà, une bonne organisation permettra de limiter les erreurs dans le recrutement. Je pense qu'on en fera. Hein. Il ne faut pas vendre du rêve à qui que ce soit. Il n'y aura pas que des coûts exceptionnels avec des ventes records, etc. Je pense qu'il faut être très humble dans ce milieu-là. Et dans le football, il n'y a pas de vérité. Donc, malheureusement, on se trompera encore. Mais le but de cette organisation, c'est justement de se tromper le moins souvent possible. Et c'est pour ça qu'on va essayer de travailler du mieux possible. Bruno Chéroux, l'invité d'OL Night System, encore pendant une petite dizaine de minutes, 04 84 80 69 deux fois. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre les programmes d'OL TV, d'OL Play sur les réseaux sociaux. Ça marche très bien, on est très fiers. Ça nous remplit d'orgueil. Merci à vous, amis supporters. Lucas, bonsoir. Bonsoir Bart, bonsoir Bruno. Salut Lucas, bienvenue sur le plateau, on écoute ta question. Lucas. Merci. Alors, l'OL, ces derniers temps, a perdu beaucoup de joueurs talentueux issus de la génération dorée, comme Benzema, Tolisso, Bonallon, Lacazette, Fekir et Umtiti. Et justement, en fait, je voulais savoir ce que Bruno pense de nos jeunes joueurs actuellement au club et s'il a pour objectif de faire revenir un des joueurs que j'ai cités précédemment dans un avenir proche ou lointain, ce qui serait, je pense, pour tous les supporters, quelque chose de fort symboliquement et très ambitieux. Et ça apporterait justement, comme tu disais, Bart, l'amour du maillot. Au final, en fait, s'appuyer sur nos forces du passé pour réussir un peu dans le futur, en fait. Merci pour ta question, camarade. Non, je pense que je serais ravi si j'étais capable de faire revenir Karim Benzema ou Corentin Tolisso. Ça semble assez évident. On essaiera peut-être à un moment donné. S'il y a une opportunité, on ne va pas s'en priver. Mais je pense que pour revenir au début de votre question, c'est hyper important de se rendre compte effectivement de la richesse du centre de formation de l'Olympique Lyonnais et surtout sur des profils offensifs. C'est ce qui est le plus difficile de former. Et je pense que l'Olympique Lyonnais est certainement le meilleur club formateur du monde sur des profils offensifs comme cela, et il va falloir s'appuyer dessus. Moi, effectivement, mon titre, comme vous l'écrivez, c'est responsable de la cellule de recrutement, mais comme je l'ai expliqué à Juni ou au président, je ne suis pas là pour recruter, Si jamais on a une génération dorée avec des 2002, des 2003 ou des 2004 qui arrivent et qui sont hyper talentueux et que chaque année, il y a 5 ou 6 jeunes qui sortent et qu'on n'a pas besoin de recruter à l'extérieur, eh ben, je serais ravi. Et j'essaierai justement de recommander ce genre de process pour faire en sorte que les efforts et les investissements consentis dans le centre de formation puissent être valorisés. Et voilà, je pense que quand on parlait tout à l'heure de constitution d'effectifs avec des anciens, des plus jeunes, avec des étrangers, des Français, des grands, des petits, je pense que ça aussi, c'est important d'avoir pas mal de joueurs issus du centre de formation avec une identité lyonnaise, avec une identité bien entendu culturel, mais aussi une identité de jeu qu'ils peuvent apprendre depuis 16 ans, 17 ans, 18 ans dans les équipes du centre de formation. Et encore une fois, si on n'avait pas un vivier exceptionnel à l'Olympique Lyonnais, je ne dirais peut-être pas ça, mais quand vous parlez des générations dorées, je ne vais pas faire la liste de tous les joueurs qui sont sortis et qui ont été internationaux par la suite, mais c'est assez incroyable. Et si on peut s'appuyer dessus, on s'appuiera dessus avec plaisir. Est-ce qu'on n'est pas un peu frileux justement au regard du manque d'expérience, puisque par définition, un joueur qui est au centre de formation et qui brille, on se dit ce gamin-là, il va faire quelque chose, mais on a aussi cette communication qu'on entend très régulièrement, est-ce qu'elle est typiquement française ou pas, je ne sais pas, mais allons doucement, ils sont jeunes, il faut attendre, etc. Tu penses qu'on est trop frileux? Je ne sais pas. Après, c'est un problème de riche, hein. C'est-à-dire qu'en France, on a une formation absolument incroyable. On est quand même le pays champion du monde. Tous les clubs, tous les top clubs européens et du monde s'arrachent les jeunes formés en France. Donc ça, c'est déjà un constat super positif. Après, je pense qu'il n'y a pas de règle pour faire sortir un jeune. Il y en a qui ont une maturité à 17 ans ou 18 ans assez incroyable. Et il y en a qui deviennent matures beaucoup plus tard, à 22 ou 23 ans. Ils atteignent leur pic de maturité. Donc je pense qu'il faut être à l'écoute et il faut être suffisamment flexible pour s'adapter au profil et à la personnalité de chaque joueur. Mais après, c'est évident que si on peut, encore une fois, accompagner les jeunes formés à l'Olympique Lyonnais, si le Cherki, il est bon à 16 ans et qu'il mérite d'être titulaire, eh ben, il faut qu'il joue. Et s'il y en a un à 40 ans, ou c'est pas l'Olympique Lyonnais, mais Hilton à Montpellier, qui a le même âge que moi et qui continue de jouer,
je pense qu'il n'y a pas de règles et qu'il faut s'adapter juste à la performance du joueur. Et si un joueur de 16 ans performe et doit jouer, et ben il doit jouer. Et si un 42 ans il performe et qu'il doit jouer, et ben il doit jouer. Ça va être repris ce que tu viens de dire là. On va demander à Sofiane. Non, je ne dis pas que... Vas-y, je t'en prie. Je ne dis pas que Cherki doit jouer. Non, j'ai bien compris. S'il mérite de jouer, il faut qu'il joue. Hein. Mais je connais un peu le métier, je pense que ça va être repris, tu verras. Allez, Sofiane sera le petit dernier, et puis après, on ne t'embête plus, Bruno. Sofiane, bonsoir. Bonsoir, Sofiane. Allô, Sofiane. Est-ce qu'on peut m'aider dans l'oreillette? On ne m'aide pas. Bon, il n'est pas là, visiblement. Bon, c'est pas très grave. On va revenir un petit peu sur ton quotidien, si tu veux bien, Bruno. Tu es fraîchement arrivé. Tes journées, aujourd'hui, c'est quoi? C'est avec mes oreillettes, très, très, très régulièrement, très souvent. Et voilà, c'est vrai que bon, c'est une période bizarre pour tout le monde. Et je pense qu'il n'y a personne qui a été véritablement heureux de cette situation. Et vivement la liberté, très honnêtement. Je pense que j'aime beaucoup les rapports humains. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir se rencontrer, se voir face à face pour pouvoir échanger et avancer. Et le téléphone, c'est bien entendu, parce qu'on ne peut pas être tous au même endroit au même moment, mais à un moment donné, c'est aussi quand même mieux de pouvoir se voir face à face. J'aurais préféré être avec vous sur le plateau, Bart. Ça viendra, ça viendra. J'espère que ça se fera. T'es le bienvenu, on a le sens de l'accueil, il y a des cahuètes, il y a tout ce qu'il faut, hein, des chips. Ouais. On sait recevoir, hein, c'est du haut de gamme. Il est revenu, notre ami Sofiane. Sofiane, on t'écoute, camarade. Bonjour, Bart. Bonjour à tous. Bonjour, Sofiane. On t'entend très mal, Sofiane. Alors, est-ce que ça va bien, là? Là, c'est bien, Sofiane. On écoute ta question. Bienvenue, mon vieux. Alors, je vais tout d'abord commencer par souhaiter la bienvenue à Bruno, qui a été ces dernières années l'un des très rares commentateurs foot agréables à écouter, selon moi. Il était bon, ouais, c'est vrai. Un petit compliment dans ma bouche. donc, ma question, Bruno, un peu sur le même thème qu'auparavant, sur celle de Lucas, sur la prise en compte des jeunes du centre de formation dans le plan de recrutement. Tu n'es pas sans savoir que la formation ici, elle revêt un enjeu considérable, tant sur le plan sportif et financier. J'ai par exemple calculé, là, juste avant d'appeler, que sur les 5 dernières saisons, les revenus tirés des transferts des joueurs issus du centre de formation représentent 225 millions d'euros, soit quasiment autant que les 4 qualifications successives en Ligue des Champions en termes de revenus. Donc les bénéfices sportifs et financiers cumulés tirés du centre de formation sont énormes à Lyon. Mais j'ai l'impression, et je crois que c'est un sentiment partagé par beaucoup de supporters lyonnais, qu'au cours des 2-3 dernières saisons, la place réservée à nos jeunes au sein du groupe professionnel se réduit de plus en plus, rendant l'expression de leur talent et leur éclosion de plus en plus difficile, par manque de temps de jeu ou par manque de place sur la feuille de match, tout simplement. Donc, est-ce que vous allez tenir compte du foisonnement impressionnant de jeunes talents qu'il y a actuellement au centre de formation, notamment dans les catégories U19, U17 et même U16 pour leur réserver un nombre de places garanties parmi la vingtaine de joueurs amenés à figurer régulièrement sur les feuilles de match, pour qu'ils ne soient pas simplement cantonnés au groupe de réservistes. Merci Sofiane pour ta question. Est-ce que tu es d'accord déjà avec l'interrogation de Sofiane en disant qu'on n'a peut-être pas assez privilégié la jeunesse et l'éclosion finalement, en leur laissant pas assez de place? Est-ce que tu trouves ça juste ou injuste? Bah, disons qu'il y a deux constats. Le premier constat, c'est qu'effectivement, la formation a rapporté énormément d'argent au club. Donc, si ça a rapporté de l'argent au club, c'est que les joueurs ont été valorisés et qu'ils ont joué malgré tout suffisamment pour être vendus assez cher ailleurs. Après, c'est vrai que sur les dernières années, peut-être un petit peu moins, mais je pense qu'il n'y a pas de vérité. Ça correspond peut-être à une conjoncture, à une période, et que ça reviendra. Moi, encore une fois, et je le répète, c'est évident que même si mon rôle, c'est d'organiser et d'être responsable de la cellule de recrutement, je ne vais pas recruter pour recruter à l'extérieur. S'il y a un bon latéral droit et qu'il faut l'intégrer et lui faire la place, ma recommandation sera de pouvoir lui faire la place. Après, il y a Juni qui est au-dessus en tant que responsable sportif du club et qui arbitrera. Il y a un coach qui aussi sera là, Rudy Garcia, pour pouvoir intégrer au fur et à mesure, en fonction des besoins, les joueurs, mais c'est évident que, vous savez, je pense qu'au final, c'est qu'une question de cohérence. C'est ce que je disais tout à l'heure, si un jeune mérite de jouer, ou mérite d'avoir sa place dans le groupe, dans l'effectif, il faut qu'on puisse être, nous, cohérents aussi dans notre politique sportive globale.
Mais je pense que Juni est parfaitement aligné sur ce genre de choses, donc il n'y a pas de souci. Encore une fois, Bruno, mes remerciements et bienvenue à l'Olympique Lyonnais. Tu fais partie intégrante maintenant du club à un poste stratégique. Alors, comme pour Rudy Garcia, comme pour Juninho, comme pour le staff, etc., travaillez bien tous ensemble et c'est comme ça qu'on va gagner parce qu'ensemble, on va plus loin. Merci Bruno d'avoir passé cette demi-heure avec nous. C'était vraiment très sympa. On se retrouve, mesdames, messieurs, mardi. Ah oui, parce que lundi, on est en repos comme quasiment toute la France. Mais mardi, on sera là. On va recevoir quelqu'un que j'aime beaucoup. Christophe Delmotte sera l'invité d'OL Night System mardi. Un vrai personnage, hein, Christophe Delmotte, qui a marqué à sa manière aussi le club. Pense à son but pour le derby, etc. On en parlera. Rendez-vous mardi soir à 17h30. Passez une excellente soirée. Merci encore à Bruno Chéroux. Et surtout, n'oubliez jamais que l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux, les gars. Bon week-end à vous tous et merci.